BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquedec. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le club BFM Crypto, soyez les bienvenus. Ça s'est passé la semaine dernière. Plus de 1000 bitcoins appartenant à un des premiers mineurs de bitcoin ont été transférés vers une nouvelle adresse crypto. Satoshi Nakamoto s'est-il réveillé? On voit ça dans quelques instants avec Pauline Armandet, journaliste BFM Crypto, qui est avec nous. Bonjour Pauline. Bonjour Amaury. Et puis, c'est l'heure des cadeaux de Noël. Si vous ne savez toujours pas où offrir, on vous donne 5 idées de livres sur le bitcoin à offrir. Enfin, il est en cours d'étude, c'est le projet de loi de finances 2024. À quoi faut-il faire attention au sujet des cryptos? On voit ça dans un instant avec Pierre Morisot. Bonjour Pierre. Bonjour. Cofondateur de Waltio. Et pour finir, après la hausse spectaculaire du Bitcoin, le marché des cryptos en 2023 ne ressemble plus à celui de 2021. Après plusieurs semaines dans le vert, effectivement, c'est le rouge vif pour Bitcoin. Aujourd'hui, nous sommes en ligne avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Bonjour Alexandre. Bonjour Amaury, bonjour à tous. On perd quasiment moins 4% aujourd'hui, Alexandre. On tourne autour des 42 140 dollars. Oui, on a même perdu plus que ça cette nuit. On s'est approché des 40 000 dollars en arrivant de la zone des 44 000. Donc c'est une baisse assez sensible, mais qui somme toute est à relativiser au regard de la hausse spectaculaire des 8 dernières semaines. On rappelle qu'il y a 8 semaines, on évolue encore dans la zone des 26 000, 27 000 dollars. On est monté quasiment à 45 000 dans la foulée. Donc voir un mouvement sur quelques heures comme ça, un peu brutal de dégagement, c'est pas, en termes d'amplitude en tout cas, ce n'est pas très choquant. En termes de vitesse par contre, effectivement, c'est un mouvement qui était assez rapide. Alors c'est vrai que le but n'est pas de chercher des explications a posteriori, mais on a quand même des réactions, si vous voulez, moi qui ne m'étonne pas vraiment, dans la mesure où, si on regarde ce qui a porté les actifs, que ce soit les actions, le Bitcoin ou autre, en partie, hein, Bitcoin, il y a des raisons qui lui sont propres, hein, dont on a beaucoup parlé, mais si on regarde les facteurs macro qui avaient tiré le Bitcoin à la hausse, c'était la détente des chiffres américains, des détentes sur l'emploi, sur l'activité, etc., qui avaient détendu les taux obligataires. Et donc ça avait détendu le dollar, et puis le Bitcoin avait aimé ce côté-là. On remarque simplement que depuis quelques jours, et à quelques jours de la réunion de la Fed, qui va être très importante, et donc c'est mercredi soir, mais on remarque qu'il y a deux statistiques qui font un petit peu de la résistance. Vous avez d'un côté l'activité dans les services aux États-Unis, avec un très bon ISM tout à fait correct, donc un indice d'activité dans les services qui est là où se trouve l'inflation, la plus dure, la plus tenace, eh bien on voit que l'activité se maintient dans ce secteur-là. Et puis l'autre indicateur, c'était vendredi dernier, c'était le rapport sur l'emploi, un rapport qui est ressorti supérieur aux attentes, avec notamment des salaires qui continuent de progresser à 4% aux États-Unis. Et ce, donc on le disait, à quelques jours de la réunion de la Fed. Et donc le risque, c'est quoi? C'est que si la Fed se dit data dépendante, ce qui est le cas, hein, qui dépend donc des données économiques, eh bien, pourrait être tentée de repousser un petit peu les anticipations qu'on a vues sur les baisses de taux. Hein. Vous savez, on commence à parler du mois de mars, hein, pour les premières baisses de taux de la Fed. Il est tout à fait possible que Jérôme Powell, mercredi soir, cherche à repousser un petit peu ça. Et je pense que ce qu'on a, si vous voulez, au niveau du Bitcoin, ces prises de gains qu'on observe viennent un peu de là, parce qu'on voit que les taux américains sont un petit peu retendus ces deux, trois derniers jours. On voit que le dollar aussi s'est un petit peu renforcé à nouveau. Et je pense donc des dégagements, je dirais un peu opportunistes, hein, après la zone des 44 000. On rappelle qu'on avait effacé toute la moitié de la baisse, hein, de 2021 à 2022. Donc je pense qu'il y a des prises de gains un peu opportunistes qui s'opèrent. Et même si ça devait se poursuivre, je pense qu'il ne faut pas être trop inquiet. Si on devait, oui, revenir flirter des 40 000, même passer encore un petit peu en dessous, je pense, si vous voulez, que la zone de correction qui serait saine, ou en tout cas non inquiétante, c'est toute la zone qui va de 36 000 à 42 000. Hein, c'est deux niveaux techniques. Donc si on se baladait là-dedans sur quelques prises de gains, il faudrait plutôt utiliser ça et mettre ça à profit en mode buy the dip, c'est-à-dire en gros tous les creux sont plutôt perçus comme des opportunités depuis déjà quelques temps maintenant, plutôt que, attention, on commence à décrocher les 44 000 et donc on va filer à 20 ou 15 000. Vous voyez, tous les creux un peu marqués que moi j'assimile à de la consolidation, même si on retourne à des 38 ou 37 000 par exemple, il faut plutôt le voir comme de la consolidation que comme une alerte spécifique, sérieuse, qui ramènerait Bitcoin beaucoup plus bas. Vous voyez, donc c'est pas choquant et ça colle bien, je trouve, à l'environnement qui précède la réunion de la Fed de mercredi. Pas d'alerte sur cette baisse selon vous, Alexandre Baradez. Merci beaucoup Alexandre, chef analyste chez IG, et on suivra bien sûr la réunion de la Fed après-demain avec attention. Mais effectivement Pauline, alors que le Bitcoin a réalisé une hausse spectaculaire, hein, c'est depuis plusieurs semaines, mis à part aujourd'hui, petit retracement, le marché des crypto-monnaies en 2023 ne ressemble plus à celui de 2021, où la reine des cryptos, Pauline, avait atteint son pic historique. Pour quelle raison ?
son pic historique à 69 000 dollars. Et en fait, effectivement, il y a quand même beaucoup de différences entre 2021 et 2023. Déjà, clairement, c'est vrai qu'il faut se rappeler que les crypto-monnaies et même les NFT ont fait l'objet d'une spéculation assez excessive. On a vu des NFT vendus à des millions de dollars qui, au final, après, s'ils voulaient être revendus, valaient clairement moins cher. Pareil, il y a eu des crypto-monnaies qui sont montées to the moon, alors qu'elles n'avaient clairement aucune utilité. C'est vrai que 2023, on est dans une autre tendance. Pourquoi ? Parce que, à un moment donné, il fallait bien que ça se calme sur le marché depuis 2021. Et on l'a vu au cours de 2022, il y a eu plusieurs scandales dans l'écosystème crypto qui ont vraiment fragilisé les cours. J'en citerai deux. Déjà, la chute de l'écosystème Terra Luna qui, on le rappelle ça a fait perdre plus de 40 milliards de dollars aux investisseurs. Donc c'est évidemment un drame sur le marché crypto. Et puis, on l'a aussi beaucoup couvert sur le club BFM Crypto, évidemment, la chute de FTX, de cette bourse crypto, en novembre 2022. Il y a eu 9 milliards de dollars qui ont aussi disparu de la part des investisseurs. Et donc, c'est vraiment deux événements qui, en tout cas, à court terme, ont vraiment effrayé le marché. Mais alors, paradoxalement, Pauline, ces deux événements ont pu être considérés comme nécessaires, en tout cas salvateurs, pour le marché crypto. C'est ça, Amaury, parce que il y avait vraiment cette idée et peut-être même cette nécessité d'assainir un marché qui a été qualifié à raison d'irrationnel, notamment en 2021. Donc c'est vrai que ces événements ont renforcé déjà un sujet, celui de la régulation. C'est vrai qu'on a vu que des États-Unis à l'Europe, il y a eu de plus en plus à la fois de débats et même en Europe, on va arriver à une régulation d'ici quelques mois, qui est dans les cartons réellement. De la même manière, c'est vrai que peut-être que 2023, on assiste aussi à une autre vision des crypto-monnaies qu'on n'avait pas forcément en 2021 parce que c'était très rattaché quand même à la spéculation, comme je disais. Et typiquement, par utilité, on peut penser à des pays, par exemple, dans lesquels il y a vraiment une grande inflation et où les crypto-monnaies peuvent être vues comme des réserves de valeur. Et pareil, en ce qui concerne le Bitcoin, c'est vrai que certains de ses fondamentaux sont vraiment maintenant considérés aujourd'hui par certains comme essentiels. Par exemple, pouvoir réaliser une transaction à l'international très rapidement et sans frais bancaires. Ça résout aussi l'exclusion bancaire puisque des gens peuvent payer des services sans avoir même un compte bancaire. Et puis si on veut utiliser le Bitcoin pour protéger son identité, surtout en ce moment, c'est aussi une utilité. Et d'ailleurs, demain à 15h en direct, ne manquez pas, émission spéciale sur le Bitcoin avec Alexandre Stachenko, auteur, conférencier et expert indépendant sur Bitcoin et les actifs numériques, ainsi que Jean-Marc Daniel, qui n'aime pas beaucoup les crypto-monnaies et le Bitcoin, mais on va essayer de débattre, on va essayer de faire avancer les choses de manière constructive. Économiste et professeur émérite à l'ESCP Business School, éditorialiste BFM Business. Pauline, dans quelques instants, on va parler de régulation avec Pierre Morisot, qui est avec nous en plateau, cofondateur de Walcio. Mais d'abord, en 2023, ce qui a changé aussi, c'est le secteur traditionnel qui commence aussi à regarder l'écosystème crypto d'un autre œil. Que ce soit les banques, les gestionnaires d'actifs, les investisseurs institutionnels, on a quand même l'impression que tous ces secteurs voient moins le Bitcoin comme l'ennemi, comme le mal, comme ils pouvaient le considérer clairement même en 2020-2021. Et ça, c'est vrai que ça a été aussi beaucoup poussé cette année par le dépôt d'un dossier par le géant de la gestion d'actifs BlackRock pour lancer un service indexé au Bitcoin. Donc, c'était en juin dernier. Ça a clairement aussi fait flamber en partie le cours du Bitcoin au cours des derniers mois. Donc ça, c'est vrai que les institutionnels et le secteur voient les crypto-monnaies autrement. Mais c'est vrai, et tu en parlais juste à l'instant, que de la venue d'Alexandre Stachenko demain dans le plateau, Alexandre me disait aussi qu'il faut quand même rester prudent par rapport à l'arrivée de ces institutionnels et l'intérêt nouveau des institutionnels vis-à-vis des cryptos, parce que c'était ce qu'on disait déjà en 2017.
Donc, on le dit en 2023 et ça se disait quelques années auparavant. Du coup, il faut quand même rester prudent en termes de tendance et vraiment voir les crypto-monnaies comme une classe d'actifs en termes d'adoption, de sécurité ou de maturité technique, un peu plus même que voilà, sur ses autres fondamentaux. Pierre, vous vouliez réagir avant de parler fiscalité du projet de loi de finances 2024 qui arrive. Vous vouliez réagir au fait que les institutionnels arrivent de plus en plus et en masse en 2023 sur cet écosystème crypto. Bah, en effet, on l'a vu, les crypto-monnaies répondent à nombreux cas d'usage. Et c'est pour ça qu'il y a eu les plus entrepreneurs, les très bons développeurs ont créé un très grand nombre de projets, certains même pour beaucoup survalorisés pendant un moment. Et là, on voit en fait toute cette industrie financière, ces géants du monde financier qui, en fait, comprennent l'intérêt de cette technologie, comprennent l'intérêt aussi de crypto-monnaie, de Bitcoin, et donc, en gros, commencent à l'utiliser, à expérimenter, à réaliser un certain nombre de tests. Et, en fait, on le voit, ce secteur était historiquement très bac à sable, entrepreneurial, très test, mais, en fait, le monde financier, c'est des centaines de milliards d'euros qui sont échangés. Il y a besoin de structure, il y a besoin de conformité, il y a besoin de reporting, il y a besoin d'audit. Et donc, c'est évident que, et là, on le voit même, ce secteur est en train d'évoluer dans cet univers pour se rapprocher, alors se rapprocher, je ne sais pas, mais du monde financier classique, ou en tout cas pour pouvoir y prendre et avoir sa réelle utilité au niveau de l'ampleur du monde financier traditionnel, c'est-à-dire sur ces montants qui sont échangés. L'écosystème Web3 est en train de mûrir de jour en jour. Et d'ailleurs, c'est le projet de loi de finances 2024 qui s'intéresse au sujet des crypto-monnaies. Pierre, que faut-il surveiller dans les dernières dispositions qu'on a pu voir? Alors, en effet, comme tous les ans, il y a le projet de loi de finances qui est voté. Il est actuellement en discussion entre le Sénat et on va retourner à l'Assemblée nationale. Il sera voté dans les prochains jours. Cette année, il y a eu une proposition liée aux crypto-monnaies. Concrètement, il y avait une incertitude sur l'imposition des revenus passifs, les revenus de staking. Et cet amendement, cette proposition de loi, vise à clarifier cette imposition. Et l'imposition, c'est à partir du moment où on perçoit donc on a un dépôt, on perçoit ce revenu. Ça peut être toutes les minutes, toutes les heures, ou tous les jours. Ça dépend des blockchains, effectivement. Exactement, ça dépend des blockchains, ça dépend du prestataire aussi ou de l'intermédiaire. Ça dépend de nombreux éléments. Mais en fait, c'est tous ces revenus passifs. La proposition de loi dit n'est pas à déclarer uniquement au moment où cela est revendu contre de l'euro ou du dollar, contre une monnaie d'État, mais dès que ça arrive sur son compte. Donc a priori, ça devrait passer ? Il y a de fortes chances que ça passe, parce que c'est une proposition de loi qui vient d'un député de la majorité, donc et il y a fortes chances, enfin, que c'est adopté dans le projet de loi du gouvernement. Maintenant, en effet, il y a des propositions qui avaient été portées par l'ADAN pour ne pas contraindre les individus à trop de complexité dans le suivi ou dans leur déclaration. Nous, au sein de Wealthio, on est profondément convaincus que soit ils utiliseront des outils comme le nôtre, ou soit ces plateformes, même blockchain, fourniront la donnée pour pouvoir reporter ces gains ou ces pertes tous les ans facilement. Mais donc, en effet, c'est important et intéressant de suivre. Dans les prochains jours, on va avoir le vote final à l'Assemblée nationale de cette loi. Effectivement, à suivre avec attention sur cette loi qui voudrait taxer les revenus passifs du mining et du staking, ce qui est un peu compliqué parce que ces revenus, ils ne sont pas en fiat, ils ne sont pas en stablecoin, ils sont dans la blockchain associée et pour l'instant, les cours ne sont pas très stables. Donc j'ai un peu du mal personnellement à voir comment le calcul va être fait. Mais comme on le disait sur ce plateau, on est déjà un petit peu un enfer fiscal en France. Je crois que c'est pas impossible que ça passe, mais ça risque d'être très 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 compliqué. Je ne sais pas comment vous allez faire, Pierre, mais... Nous, on est convaincus que de toute manière, le Web3 a besoin de plus, on en parlait juste avant, de plus de confiance, de plus d'auditabilité, c'est-à-dire de structuration en termes de reporting. Et en fait, ça passe aussi pour les particuliers. Pourquoi ? Parce que les particuliers peuvent échanger des crypto-monnaies librement entre plusieurs comptes. Donc, c'est pour ça aussi qu'on développe Wealthio, mais on est convaincus qu'on a... les individus vont avoir besoin d'un outil tiers ou sinon l'EPSAN ou les blockchains de proposer certains de ces services. Bon, et justement, en cette fin d'année 2023,
Est-ce qu'on peut faire un petit point d'étape sur où on en est de la fiscalité crypto en France, Pierre ? À quoi faut-il faire attention quand on détient des cryptos aujourd'hui, et si jamais, si on a fait des plus-values cette année, par exemple ce qui est possible avec la hausse récente du Bitcoin, à quoi faut-il faire attention ? Alors, de façon générale, sur la France, il faut suivre en fait son portefeuille ou en tout cas identifier les opérations d'investissement, de vente, les revenus passifs pour être capable de les déclarer lors de sa déclaration fiscale. Donc, toujours plus, un conseil, c'est de faire appel, passer par un PSAN, donc un prestataire qui est enregistré au sein de l'AMF, donc non seulement pour réduire ses risques de fraude, mais aussi pour, très souvent, c'est des plateformes qui sont plus enclines à être conformes à la réglementation et donc favorisent le partage des données et donc les individus peuvent calculer leur plus ou moins value beaucoup plus facilement. Et est-ce que c'est important de soi-même noter les achats qu'on fait à tel prix, sur telle plateforme ? Ça peut aussi servir à l'administration fiscale pour justifier certains gains, par exemple ? Ça pourrait faciliter les choses ? Alors, c'est nécessaire pour faire une déclaration fiscale lorsqu'il y a une revente ou donc dès l'an prochain la réception de revenus passifs. C'est obligatoire, c'est le régime fiscal qui est pensé comme ça, comme d'ailleurs dans de très nombreux pays. Et c'est pour ça que c'est un petit peu créé ce métier de comptable de crypto-monnaie qui va gérer toutes ces opérations. Et c'est aussi pour ça que nous, on a développé cet outil qui est Waltio pour permettre aux particuliers de le faire très rapidement sans s'arracher les cheveux. Est-ce qu'il y a une arrivée de nouveaux clients ou pas encore là, en ce moment? Avec la hausse récente du Bitcoin, certains disent que la hausse serait due à des gens qui étaient déjà présents sur le marché et aussi à des institutionnels qui rentrent, mais assez peu, en tout cas pour l'instant, apparemment, de nouveaux entrants, de nouveaux particuliers sur le marché. Est-ce que c'est le cas ? Alors, je ne sais pas s'il y a des nouveaux entrants ou des nouveaux particuliers. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'en effet, depuis plusieurs semaines, il y a plus d'échos sur notre contenu, sur ce qu'on publie, qu'on donne gratuitement, comme nos livres blancs. Donc il y a beaucoup plus d'intérêt, les gens se renseignent sur le sujet. Donc ça, c'est un premier point. Et deuxième point, on voit aussi un nombre d'ouvertures de comptes, que ce soit pour ceux qui, juste avant le 31 décembre, veulent mettre en place une stratégie fiscale, ce qu'on propose à nos clients, ou même ceux qui commencent à se dire on est sur la fin d'année, il va falloir que je fasse les comptes de l'année au lieu de le faire dans les derniers jours de ma déclaration fiscale. Donc oui, on le voit, le début de la saison fiscale commence à bien se préparer et nous on voit une augmentation significative au service client de demandes d'utilisateurs. Pauline, c'est Noël très bientôt, voilà, si vous n'avez pas encore fait vos cadeaux de Noël. Avec les débats qui risquent d'être enflammés, et puis même, on l'a dit, avec le regain d'intérêt d'une certaine partie de la population pour Bitcoin et les cryptoactifs, vous avez fait, Pauline, une sélection de 5 livres que vous conseillez d'offrir à vos proches. Oui, et dans cette sélection, vraiment, l'idée, c'est de qu'il y en ait vraiment pour tous les goûts, que ce soit pour ceux qui ont envie de découvrir les crypto-monnaies et le Bitcoin, d'autres qui veulent vraiment se plonger dans cet univers, ou d'ailleurs des BD vraiment à destination des adolescents et adolescentes qui ne connaissent pas forcément l'économie. Alors, sur le plateau, j'en ai ramené deux. Les trois autres seront à découvrir sur le site de BFM. Absolument, donc il y en a 5, 2 qu'on présente en plateau et vous allez consulter tout de suite, il est dispo depuis ce matin 6h, l'article de Pauline Armandet sur ces 5 livres à offrir à vos proches à Noël. Et alors je vais faire une petite présentation des deux ouvrages, Bitcoin, la monnaie acéphale. Rapidement, c'est un livre qui a été écrit en 2017 par Jacques Favier, qui est normalien et agrégé d'histoire, et Adli Takal-Bataille, qui est diplômé de linguistique et expert en monnaie numérique. Moi, ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est que vraiment, si vous avez envie de vous plonger dans le Bitcoin, de comprendre ses dimensions économiques, sociales, politiques, philosophiques, ça permet vraiment de faire le tour du sujet. En plus, il y a des petites questions à assez intéressante du type, voilà, est-ce que le Bitcoin est une monnaie classique ? Enfin, voilà, ça vous incite à aller au-delà de tous ces aspects de spéculation dont j'ai pu parler en début d'émission.
Et puis aussi, c'est sympa parce qu'il y a aussi des petits QR codes que vous pouvez scanner et qui permettent d'approfondir avec soit des articles spécialisés, des vidéos, des films et même des expériences à vivre sur la blockchain. Donc très Bitcoin, ce premier livre. Après le deuxième, je vois Alice au pays des cryptos. Oui, ce deuxième livre, alors là, ça a été donc c'est sorti en octobre 2023, c'est tout récent. Ça a été écrit par Daniel Villamontero, qui est directeur d'une école spécialisée qui s'appelle Alira et qui a été illustré par Nicolas Ballas. C'est sur l'histoire d'une adolescente qui en fait va hériter d'une certaine somme d'argent de la part de sa grand-mère et elle va se demander un peu où est-ce qu'elle pourrait le placer. Et évidemment, elle va décider de placer cet argent dans le Bitcoin. Et donc, c'est un peu la découverte du Bitcoin et des crypto-monnaies par une adolescente qui va comprendre un peu le cours qui augmente, qui baisse. Elle va vivre les turbulences même de l'année 2022, parce que c'est un livre très récent. Elle va aussi se rendre au Salvador, enfin plein d'expériences à vivre. Et j'ai quand même un peu aimé aussi le côté féministe de l'auteur qui dit qu'évidemment, c'est pas qu'une affaire d'homme d'aimer les crypto-monnaies ou en tout cas de s'intéresser au Bitcoin, c'est aussi une affaire de femmes et même de femmes qui sont jeunes. Et on verra si ça se finit pour Alice comme avec le fils de Christine Lagarde. Pierre, on constate pour finir qu'il y a de plus en plus de pays qui renforcent la lutte contre l'évasion fiscale liée aux crypto-actifs. Oui, surtout depuis quelques semaines, on a vu encore des mesures dans ce sens. La première, c'est intéressant, le service d'administration fiscale d'Angleterre a informé tous leurs contribuables de leur dire qu'ils avaient 30 jours pour se mettre conformes à leurs obligations fiscales. Donc on voit que les services d'autorité fiscale un petit peu partout dans le monde commencent à s'outiller, commencent à investir pour lutter contre la fraude fiscale sur les crypto-monnaies. C'est une tendance qui est générale. Et aussi, dans le même sens, l'OCDE, qui avait proposé un texte qui s'appelle CARF, qui est en fait une aide à la coopération administrative avec un certain nombre de normes de reporting pour que les plateformes d'échange partagent leurs données aux autorités fiscales. En fait, un peu comme on en parlait tout à l'heure sur le plateau, faire une analogie avec le monde financier traditionnel où les banques partagent certaines données aux autorités fiscales, les banques ou les brokers, et là, ce serait similaire. Et ce texte a été adopté par plus de 50 pays dans le monde. C'était justement il y a quelques semaines aussi. Donc le texte a commencé, c'est des projets qui sont très longs. Je pense qu'on en verra les conséquences qu'autour de 2025-2026, le premier réel effet. Mais c'est intéressant de voir qu'un texte proposé il y a quelques mois vient d'être voté et accepté par plus de 50 pays. Donc affaire à suivre, mais en tout cas, on voit que les autorités fiscales semblent avancer de façon, ensemble pour lutter contre la fraude fiscale liée aux actifs numériques. On va suivre notamment avec vous dans les semaines à venir toute l'évolution de la fiscalité liée aux crypto-actifs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Pauline. Je le rappelle, la semaine dernière, plus de 1000 bitcoins appartenant à l'un des premiers mineurs de bitcoin ont été transférés vers une nouvelle adresse crypto. Est-ce le réveil de Satoshi Nakamoto ? Allez consulter l'article de Pauline Armandet et vous aurez la réponse sur le site BFM Crypto. Et abonnez-vous à sa newsletter qui paraît tous les lundis à 18h si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir été avec nous, Pauline Armandet, journaliste BFM Crypto, Pierre Morisot, cofondateur de Walsio. Demain, je rappelle, 15h, soyez avec nous, grand débat sur le Bitcoin avec Alexandre Sachenko et Jean-Marc Daniel, économiste et professeur émérite à l'ESCP et éditorialiste à BFM Business. Soyez avec nous demain, 15h, grand débat. Merci, bonne journée, bonne soirée, à demain, 15h. BFM Business, BFM Crypto, le club.